Et là, je mets en off mes standards. Je me fais une petite réunion avec moi-même. Donc, je vais. Waouh, je vais peut-être avoir un appel d'un hôpital psychiatrique à la suite de cet épisode. Dans cette réunion, du coup, tout le monde se dit ok, est-ce qu'on se l'autorise ? Si je peux faire une métaphore, c'est un peu comme quand t'es en soirée et qu'on te propose un troisième shot et que tu te dis celui-là, je devrais pas, mais je vais quand même le prendre. Bah voilà, c'est le cas de 80% des hommes que j'ai côtoyés ces trois dernières années. Je suis célibataire depuis 4 ans maintenant. Et ces derniers temps, je me suis rendu compte que je cherchais pas un petit ami. Je recherche ma personne. Je recherche une personne avec qui partager le reste de ma vie. Vu que c'est un sacré rôle, je suis prête à attendre cette personne le temps qu'il faudra. Mais en attendant... Alors déjà, pour commencer, j'ai fait deux albums de 2023. Mais j'en ai fait deux différents. Il s'appelle 2023 For Real parce que j'ai fait une compile de tous mes meilleurs birils de l'année. Des plus choquants aux plus classiques, qui retracent tout ce qui s'est passé cette année. Je trouve que c'est excellent. Et celui-là, il est hyper beau. C'est juste un album avec toutes mes photos, à commencer par la première photo de l'année du nouvel an dernier à minuit. Et ensuite, il y a toutes mes meilleures photos. Ça me fait vraiment trop plaisir. Genre ça, c'est... On s'asperge dans notre génération, ce genre de choses. Les photos papier, c'est important de s'en rappeler. Et pour finir, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est un album de scrapbooking avec plein de stylos métalliques trop beaux, des pochoirs, des stickers. Et je vais le faire autour de l'Olympia, car c'est vraiment l'événement qui a marqué mon année. J'ai imprimé toutes les photos du moment où j'ai su que j'allais le faire, au moment où ça s'est fait. Et je vais écrire plein de commentaires et tout pour le garder toute ma vie. Et m'en rappeler quand je serai vieille. Ça me rend trop émotive, j'adore.